Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gord. On se retrouve pour continuer la campagne et notamment le chapitre qu'on avait commencé. Alors il y a eu un patch qui est sorti, le premier gros patch de la sortie, et qui a changé plusieurs choses assez intéressantes pour l'équilibrage, notamment le fait que désormais les enfants vont arriver moins vite. Hein, vous m'aviez signé dans les commentaires que c'était quasiment une horde vu le nombre de gens qu'on avait. Mais là, ça va changer un peu, les enfants vont naître moins vite, et également, ils vont mettre plus longtemps à devenir adultes. Donc ça devrait rallonger un petit peu, entre guillemets, ralentir un peu la dynamique du Gord et permettre de rallonger un petit peu le temps. Il y a également eu des ajustements sur les soldats. Ils consomment beaucoup moins d'or, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, on était à plus de 10 par minute, là maintenant on est à 6-9 par minute, et tant qu'ils sont à l'intérieur de la palissade, ils ne consomment pas d'or. Donc si on garde nos soldats à l'intérieur de la palissade à ne rien faire ou à réparer ce genre de trucs, ils ne consomment pas d'or, ce qui permet du coup de les garder prêts en cas d'attaque ou ce genre de choses. Donc bon, nous on n'a pas trop de pression, mais j'imagine que dans les niveaux de difficulté un peu plus élevés où éventuellement il y a beaucoup d'attaques régulièrement, on peut pas se permettre d'aller les envoyer ramasser du bois, puis revenir courir l'as, devenir hache, puis repartir, puis machin. Donc du coup ça permet de rééquilibrer un petit peu ça. C'est les trois grosses modifications que j'ai notées. Après, il y a du pathfinding, il y a des équilibrages sur les différentes nourritures, la pêche, la bouffe, sur les la forêt et compagnie. Mais ça, c'est un petit peu moins visible. Nous, globalement, on s'en tirait quand même plutôt bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est reparti avec Smoisis et Zikina. On avait une quête secondaire. Il fallait qu'on tue des ennemis de type Polos avec Smoisis. Ça a l'air de bien traîner dans le coin, donc on devrait en trouver. On va continuer d'explorer avec nos deux personnages. Et il faut qu'on surveille le moral, notamment des gens qui font de la glaise, parce que ça se casse un peu la gueule. Hein. Donc normalement pour ça on a lancé un peu de construction de lumière à droite à gauche, mais bon, c'est pas tout de suite. Alors, on entend des animaux par ici. On va mettre notre petite vision. Qu'est-ce que c'est? Ah, on a trouvé du minerai de fer. Ça, c'est cool. Alors, il faut qu'on s'approche. Ok. Enfin, nous avons trouvé quelque chose de valeur. En effet, sire, mais vous noterez que nous sommes bien loin de notre gorde. Déplacer une grande quantité de minerai sur une telle distance peut se révéler périlleux et chronophage. Je suggère de construire ici un avant-poste afin que le fer puisse être fondu immédiatement après sa collecte. Ah, on peut faire ça, cool. Cela pourrait accélérer le processus, c'est vrai, mais c'est au lieutenant d'en décider. Tout ce qui m'importe, c'est d'avoir mon fer loin de ces marais puants et qu'il soit exploitable. Ça, c'est intéressant, j'avoue. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ennemi du coup? Des alligators. Très bien, c'est la bonne saloperie ça. Là, on a un cadavre. Il y avait des animaux qui avaient l'air d'être par ici, mais du coup c'est probablement les alligators. Alors, comment ça fonctionne, la structure? Tac, tac, tac. Spécial avant-poste. Ouais, il nous faut du bois, sans surprise. Alors je rappelle qu'on a Akelsukwet qui a une dégénérescence cérébrale, hein, donc elle est toute pourrie, pas efficace. C'est pour ça qu'on est un peu en dèche de bois, notamment en plus on a lancé des grosses constructions. Ici il y a de la glaise, pas mal de fer quand même. Ah, il y a des... Il y a de quoi se soigner un peu là, parfait. On peut reprendre ça. Ah mais si, il y avait bien des alligators par là. Bah on va laisser les faire, hein. De toute façon faut nettoyer le terrain. Elle s'est fait choper Zikina, elle pouvait pas taper. Voilà, quand elle tape, c'est un peu moins la fête. Parfait. On ramasse un petit peu d'or. Nickel. Il y avait un autre cadavre, non, c'était celui-là. L'air d'avoir d'autres trucs là-bas. On va attendre tranquillement d'avoir 150 de bois. Et dès qu'on a 150 de bois, on va utiliser eux pour construire. Ah, ils sont partis où les alligators là? Ah d'accord, c'était les mêmes. J'ai retourné la map et je me suis perdu, je crois. Ouais, c'est à peu près ça. La map était tournée comme ça au début. Très bien. Donc, c'est bien ça. Le tas de cailloux, les alligators. Là, il y a encore d'autres saloperies par ici, visiblement. Et des choses à ramasser également. Extraction minière, ok. Donc,
pas d'urgence pour ça. On va explorer la zone. Ici, il y a un piège. Ça, c'est quoi? Des araignées avec un piège. On peut passer par là. On peut passer par là. Je pense que prochain tour de bois, on devrait avoir ce qu'il faut. On va aller se faire les araignées. On va pas s'embêter. Alors, on a contrôle. Ah, on peut. On peut contrôler une unité ennemie. Ça c'est intéressant. Du coup elle attaque ses copines, ça nous permet de prendre un petit peu moins de dégâts. Oh putain, par contre il y a du monde là. Soutien. Ah, on n'a pas assez de fois pour un rétablissement. Zut. Ils sont trop nombreux, faut se replier, surtout qu'on n'a rien trouvé pour se soigner. Enfin, on n'a pas l'ermite là qui va bien. Donc on va se tirer. Ok, très bien. Bon, le contrôle est rigolo, mais il s'est fait dépouiller notre pauvre araignée qu'on contrôlait. Qui se fait attaquer? Shobiti perd la tête. Ah merde, le moral qui s'écroule. Ok, donc Shobiti. Alors, j'aimerais récupérer. Voilà, le gourde. Est-ce qu'on avait fait une hydromêlerie? Oui. Alors, Alice, tu cours ici. Malvin, tu glandes. T'as fini tes réparations. Eh bah écoute, tu vas retourner ramasser un petit peu de roseaux, par exemple. Hop. Shobiti, tu es là. Tu cours ici. Et Ardarin, tu vas prier. Voilà, on a 200 de glaise, on va faire avec pour le moment. Est-ce qu'on peut éventuellement améliorer des trucs intéressants? Peut détecter les pièges et les mimiques. Ah non, c'est du fer qu'il faut pour améliorer, j'avais pas vu. Et là, on peut pas améliorer plus. Ici, c'est du fer qu'il faut. On peut améliorer le tertre, c'est pas très utile. Là, il faut du fer. On pourrait améliorer peut-être l'hydromêlerie. Ça mange pas de pain. Et puis probablement le truc de bois en attendant de pouvoir faire mieux. De soigner Akatsuki surtout hein. Donc ici, toi tu prends ça, toi tu prends ça, voilà, un petit peu de PV. Et vous allez attendre ici que on ait le bois nécessaire. Il y a une autre plante de soin là, on va la prendre avec Zikina. Hop, sans trop s'approcher. Des araignées si possible. Parfait. Ah, il y a un moyen de passer là. Et on trouve un petit champ de soins. Voilà qui est fort intéressant. Du coup, on pourrait peut-être s'occuper des araignées. Mais on a ce qu'il faut pour l'avant-poste. Alors, c'est parti. Comment ça fonctionne-t-il? On veut mettre la sortie par là, probablement. Ou un genre de mix hein, par ici pour pouvoir repartir vers le Gord et en même temps on va certainement débloquer un chemin vers là, donc on va le mettre dans ce sens-là. Et vous, au boulot. On va voir comment ça fonctionne du coup. Allez, picole Alice. Ah oui putain, on a demandé à améliorer ça, donc ils peuvent pas picoler. Ardarin, c'est bon, il prie tranquillou-bilou. Bon là le moral remonte, au moins ils sont à la lumière. C'est vraiment la torche hein, le problème pour ceux qui sortent loin. Alors, on a débloqué la nouvelle structure. Toc, construire une ferronnerie, extraire 50 de fer. Et on a 20 minutes pour tuer des polos. Alors du coup, déjà, tac tac tac, ça doit être dans avancer. La ferronnerie c'est 240 de bois. Ah ouais, il va falloir qu'ils travaillent encore un peu les mecs. Hein. Bah du coup on va aller essayer de débloquer un chemin, en plus là il y a quand même potentiellement quelqu'un à récupérer. Go, nettoyez-moi ça, cette fois vous êtes full life. On gagne un petit peu de foi. Nardinus tu ne fais rien, tu as grandi Nardinus, très bien tu as grandi.
Bah écoute, va t'occuper de ça. On avait plus de pêcheurs, 3 glaises. Il n'y avait plus personne qui ramassait de la bouffe, hein. Malice, elle faisait quoi? Elle ramassait du bois. C'est vrai qu'on est assez tranquille niveau bouffe. On va plutôt t'envoyer au bois. Va au bois, mon cher. Quelles sont tes capacités? Récolte, minière, combat, nourriture, moins 30. Ah oui, quand même. T'es plutôt un éclaireur. On pourrait faire avec un éclaireur de plus, hein. Tu vas devenir éclaireur. Ici, on va surveiller le combat. C'est terminé. Parfait. Ah zut, un cadavre. Pas de bol. Un chapelet, ok, pourquoi pas. Ça c'est quoi? Ah, une page des chroniques. Cool. Le cœur divin, la page 27. On n'a pas du tout les trucs dans le bon ordre. Hein. Ils observèrent leur divinité rayonnante, emplie à la fois de crainte et d'émerveillement, car Dabo était magnifique, et son pouvoir imprégnait leurs âmes, telle une lumière dorée traversant la canopée. C'est alors qu'ils laissèrent tous échapper un grand cri d'effroi. Dabo avait arraché la moitié de son cœur ardent et l'avait jeté sur le tas de bois devant lui. Lorsque le bois s'embrasa et lui donna le nom de feu de camp, alors la lumière et la chaleur virent le jour et le cœur des humains se remplit de force. Loué soit Dabo qui leur avait offert le feu. Les humains se réjouirent, mais le présent de la divinité n'avait pour fin ni le jeu ni l'assouvissement de leur curiosité. Dabo les mena jusqu'au marais et donna de petits coups de bâton sur le sol humide jusqu'à toucher un endroit dur comme un os caché sous la chair tendre. Il leur donna aux humains de déterrer l'os et lui donna le nom de fer. Il leur expliqua qu'en le faisant fondre dans les flammes, il pourrait forger une arme capable de lutter contre les horreurs. Ok, donc on est quand même loin, hein. Il nous en reste un paquet, mais entre la naissance de Dabo et le cœur divin, il y a quand même un paquet de pages qui se passent, quoi. Bon, lui, il va être... Non, c'est bon, c'était même pas, il était même pas moisi. Alors, il y a un autre truc là, mais si vous pouviez éviter le piège, honnêtement, ça m'arrangerait. Une torche excellente. Oh, c'est bien ça. Alors, Nardinus, mon cher Nardinus, tu vas nous rejoindre. Tu vas aller. Là, il y a un truc. On est où? On est où? On est où? On est ici à l'avant-poste. On est là, c'est quoi qui éclaire là? C'est une torche? Ok, une torche, très bien, le parchemin qui est là. Donc tu vas venir, je pense, ici, Nardinus. On va aller explorer par là. Et on va faire une jonction probablement. Alors, dans la mise à jour, visiblement, ils ont aussi fait en sorte que la plupart des tas de pierres deviennent violets, je ne sais pourquoi. Ensuite, juste au moment où je dis ça, celui-là apparaît en jaune, mais. Là, il y a du monde là. Il y a du monde, il y a du monde. En plus, ils ont des loups avec eux. Ah non, c'est juste qu'il y a une chasse. Alors, c'est quoi l'événement? L'étrange rituel. Une femme vêtue d'une chasuble grise et le visage dissimulé s'est présentée aux portes du Gord. Elle te propose d'effectuer un rituel dans le temple pour renforcer la foi. Tout refus de notre part serait mal avisé. Elle exige cependant une grande quantité de nourriture. Ouais, on y va. 30% au niveau de foi du Gord contre moins 100 de nourriture. Pas de problème, ça me va plutôt bien. On va rajouter Nardinus dans la boucle et on va aller chercher en passant de préférence assez loin des ennemis là si on peut. Même si je pense qu'on pourrait se les faire probablement. Mais bon, pour l'instant, c'est pas une priorité. Le niveau de morale du Gord est en hausse, a priori, et j'ai entendu là, il nous disait que les gens était d'accord avec nos décisions. Alors, toi, tu vas prendre le chapelet, c'est pourquoi pas, et la torche. Attends, t'es sérieux, t'as marché dans le piège, Nardinus, quoi. Sans déconner. C'est pas grave, hein, écoute, si t'es pas capable d'éviter ça. Ok, on a que des cadavres dans les cages, hein, c'est pas cool. Alors lui, il est ralenti du coup, j'imagine, par son piège là. Il peut pas utiliser sa torche pour le moment parce qu'il est pas niveau 2, mais ça va venir. 20% de portée des torches de sentinelle, c'est plutôt pas mal. Alors, ici, le moral est remonté à fond au bois. Et Chobiti, pareil, le moral est remonté à fond au bois. C'est parti, parce qu'il faut arrêter de glander là.
Ta foi est au maximum, toi, donc tu vas plutôt aller au bois et on va prendre un Chobiti qui a une foi toute pourrie ici. C'est parti. Est-ce qu'ils suivent les ordres? Yes, nickel. Ok, on est capable, je pense, de se gérer ça là, surtout avec nos bonus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sort? On a rétablissement, on a le cri de guerre. On peut lancer un petit cri de guerre déjà sur Zikina. Ça marche si je fais ça? Ça marche si je fais ça, parfait. Ah non, ça a pas du tout marché, il l'a pas lancé là. Si, il l'a lancé. Il l'a lancé? Il l'a lancé. Arbre des incantations. Ah oui, j'avais pas vu, mais on a accès à ça du coup. On a débloqué le niveau 2. J'ai pas regardé si on avait quoi comme attaque. L'enchevêtrement, immobiliser un ennemi, ok, très bien. Et la pestilence pour 300 balles. Ah oui, les oiseaux qui invoquent la maladie, ouais. Ça c'est rigolo aussi ça. Focussez-vous un peu là pour éliminer un peu de DPS, donc ça sera plus intelligent. Voilà. Ça joue quand même là. Alors, un coffre, un symbole de mineur de fer, très bien, c'est thématique. Et la tour de guet dévoile le terrain alentour, qu'on avait déjà plus ou moins découvert, mais c'est toujours ça de pris, puis ça fait de la lumière en plus. Alors, qui va s'occuper de ça? Donc toi, du coup, je pense que tu serais pas mal en extraction minière. Ardarine, alors t'étais plutôt un combattant hein, bien sûr à la base. Sinon on a Chobiti et on avait Alice. Plutôt Alice pour commencer, mais on a toujours pas assez de bois là, on est d'accord. Hein. Ouais, la ferronnerie 240, ouais, ça pique un peu. On pourrait commencer à faire de la lumière sur le chemin. Par où ils vont passer? On va essayer, on va prendre nos explorateurs. Zmoïsis, bah du coup tu l'as pas ramassé, mais on va le prendre avec Nardinus histoire que ça traîne pas l'objet. Hop, voilà. Parfait, et donc du coup on va aller à notre avant-poste. Et on va voir un petit peu le chemin. Sachant que le fer il y en a là. Il y en a un peu là, donc ce serait bien d'avoir. Attends, il y a encore des monstres là? Ah non, c'est hyper loin. C'est hyper hyper loin. Qui c'est qui a détecté ça? C'est Malvin. Il regarde des petits polos là. Il a détecté des polos, donc ce serait peut-être bien qu'on aille s'en occuper. Bon. Déjà, ce qu'on fait, c'est que on lance la construction d'un dispositif lumineux là. Vous. Vous pointez. Merde, Malvin se fait attaquer. Il les a aggro. Ah putain, il les a bien aggro même. Oui, Malvin. On ira chercher et Zikina, pourquoi tu vas pas réparer? Parce qu'on peut être qu'à deux pour construire, c'est ça? Ok, donc vous allez aller jusqu'aux gourdes. Oula, ça lague un peu. Et on va suivre votre chemin du coup. Donc vous passez par là, en dessous le piège, la torchie s'est éteinte, pas de souci. On pourrait mettre un dispositif lumineux ici. Ensuite ici on passe pas loin. Alors on pourrait mettre un autre dispositif lumineux, probablement, je peux pas, pourquoi? Limite atteinte. Oh, je peux en faire que un certain nombre. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Donc on va pas faire plus de dispositifs lumineux. On a quand même une fille qui vient de naître. Kolda. Kolda qui est plutôt douée en récolte et au combat. Du coup, elle va aller assister là. Et du coup, bah nous, ça sert plus à rien. On va aller s'occuper des polos qui sont où? Qui sont par là. On doit en tuer 5. C'est pas, c'est beaucoup 5, hein. Attends, il y a un piège sur le chemin. Il va marcher dessus, ce con. Là, non.
Non, il passe à côté. Et non, Nardinus qui déclenche le piège, comme toujours. Nardinus qui m'a l'air bien bien doué. On va lui lancer un petit rétablissement des familles, du coup. Ok, un peu de nourriture, de la thune. Du coup, là-bas on entend encore des monstres. Alors Malvin, t'es reparti pour nous faire du roseau. Voilà. Ici la foi est au max ou pas encore? Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais ça devrait pas tarder. Alors ici il y avait pas mal de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Des loups. Des loups, on peut se faire des loups. Enfin, encore que Zmosis il est quand même un petit peu dans le mal. Hein. Est-ce qu'on a récupéré le rétablissement? Pas encore. Faut qu'on fasse gaffe à Zmosis. Bon, ça va, les loups, on les défonce. On va les prendre un petit peu de d'herbe de soin. Voilà, il a peu de vie en fait, Zmosis. C'est pour ça qu'il prend assez vite cher. Et ça, c'est quoi? Un hôtel. Prions. Cent de fois, toujours ça de prix. Voilà, Malvin il a été récupérer ses morceaux. Ah, ça, ça m'a l'air d'être des araignées vu le bruit. Ça, c'est quoi? De la bouffe. Et là, ouais, des araignées. Ok, les araignées, ça m'intéresse pas trop. Y'a quoi? Y'a un peu de champignons. Non, non, c'est pas hyper intéressant, mais bon. Alors Darin, t'arrives pas à remonter ton moral par contre. Chobiti, tu vas retourner t'occuper de la glaise. Et nous ici, on s'attaque à ça. On peut l'air d'en avoir 2000. Ouais, si ils arrivent après en fait, mais ça va, ils sont quand même moins nombreux là. On va pouvoir gérer. Et on récupère de l'or. Franchement, ça vaut le coup. Il y a deux coffres aussi. Un symbole de collecteur de glaise et de la nourriture. Et un hôtel, production de nourriture. Pas très intéressant dans le contexte. Chobiti, est-ce que tu as ce qu'il faut? T'as le souffle de création, les vêtements chauds. Ok, qui est pas forcément blanc. Toi, t'attends toujours ton symbole de porte-hache. Malvin. Réduit la perte de morale dans l'obscurité, c'est pas mal. Malice. Malice, t'as plein de trucs qui te servent à rien. Symbole de pêcheur, t'as deux symboles de pêcheur, ça sert vraiment à rien pour le coup. Chobiti. Ok, Akatsukouette. T'as un doigt crochu qui te sert à rien parce qu'il faut que tu sois niveau 3. Ah oui, puis du coup c'est un truc automatique, mais t'es niveau... Ah oui, mais non, c'est vrai que t'es... À cause de ton affliction, t'es considéré comme nul partout. J'avais oublié. Zikina, t'es pleine. Et Alice, t'as quoi? Collecteur de glaise. Bah écoute, Alice, tu vas, je pense, finir ton bois là. Alors est-ce que je peux lui donner un ordre avec un shift là? Est-ce que je peux lui dire genre tiens, viens ramasser l'objet, il est où? Poussez-vous vous. Elle est là. Alice, tu viens prendre ça. Et après tu vas aller faire un tour... Notre avant-poste qui doit être dans le coin, là je suis un peu paumé. Voilà, tu vas aller construire ça, parfait. Et après, t'iras là. Alors, est-ce que elle fait ça en l'ordre? Ouais, c'est ça. Elle finit ça. Voilà, elle finit ça et après elle y va. Normalement, ça devrait le faire. Par contre, elle fera pas du fer, elle fera de la glaise. On a dit que notre ramasseuse de fer, ce serait... Je sais plus, qui c'est qui a pris le truc de fer? Personne peut-être.
Si Nardinus il l'a pris, ouais, juste temporairement, c'est ça. Donc au niveau des expériences, Elise, bah oui, tu vas aller ramasser extraction minière, c'est parfait. Donc tu vas probablement prendre le truc de glaise et faire de la glaise, et donc c'est Chobiti qui va se coller. Tu vas filer ça à Nardinus. Ouais, on va revenir là avec nos copains là. Ils ont fait le taf. Tu sais, ça va leur faire un petit soin. Tansmoïsis maintenant, il a avec ses bonus, il trace sa route. Hein. Faut qu'on trouve encore quelques polots. Ça, en vrai, on pourrait presque le détruire. Hein. Démanteler, c'est devant la porte. Il y en a deux là. Franchement, c'est pas nécessaire. Alors, Zmoisis, ton. Non, pas toi, Nardinus. Tac tac tac, ton symbole de mineur de fer, tu l'échanges, on a dit, avec Chobiti. En échange de ça, voilà, c'est parti. Et tu prends un chapelet, parce que pourquoi pas. Chobiti, elle est où, elle est là, là. Ok, parfait. Démantelez-moi ça. Est-ce que l'ami Ellie, elle commence à se secouer là? Ok, elle vient d'apporter son bois. Très bien. Vous allez me démanteler ça, et une fois que ça sera démantelé, on va aller faire un tour dans l'avant-poste. C'est moi ou ça avance à 0% là? Il y a un bug sur le démantèlement? Ah non, ça doit être un des trucs de. Ok, ça doit être un des trucs de la quête, donc du coup on peut pas le démanteler, donc tant pis, c'est pas grave, venez ici. Améliorez-moi ça. Ah, on a entendu des polodes, où ça? Quelque part ici, venez là. Elise, t'as pas été chercher ton truc là? T'as pas été chercher ton objet, machine? Demi-tour. Tu vas venir ici et ton objet, il était où? Il était là. Je veux que tu viennes me prendre cet objet. Tu viens me prendre cet objet. Et après seulement, tu vas faire ta vie. Et après, tu vas aller récolter de la glaise d'ailleurs, en fait. Pas aller le faire. On va pas faire compliqué. Ensuite, tu viens là. Voilà. Et donc, Chobiti. Elle est en train de retourner chercher de la glaise, donc elle va changer de direction et elle va aller par là. Elle va même aller carrément changer de direction et retaper, retaper, retaper ce truc-là. Voilà. Et vous, j'ai entendu ce qui ressemble à des polos par là. Yes. Défoncez-les. Oula, le petit lag. Ok, c'est parce que la quête s'est terminée. Alors, qu'est-ce que ça a fait? On va certainement avoir un petit texte. Un objet abandonné, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est un peu dommage. Alors, j'ai l'impression qu'il s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas de petite pop-up ou quoi que ce soit qui nous dit ce qui s'est passé. Peut-être que vu qu'il y a eu le patch, la quête a buggé. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est fait. C'est ce qu'on voulait faire. Mais on trouve décidément pas de hutte de sorcière pour guérir Akatsuki, qui du coup bah, est condamnée à être toute pourrie. Alors, viens ici, Akatsuki. Tu vas ramasser cet objet. Allez, Alice a ramassé son truc et maintenant elle va faire quoi? Change de profession. Parfait. Va changer de profession. Chobiti, t'as construit ça. Donc la suite c'est pas du militaire, c'est une ferronnerie. Ah oui, c'est vénère comme truc. Eh bah écoute, la ferronnerie. Hop, c'est parti. Et tant qu'à faire, est-ce qu'on peut faire un petit hôtel? Juste là. Voilà. Vous revenez par ici.
Chobiti, mais putain, mais Chobiti, je... Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? On a redétecté des bestioles. Dans notre dos, là? Sérieusement? Ok, ben ça va être à vous d'aller jeter un œil là. Qu'est-ce qui a repopé dans notre dos là? Il n'y a pas à avoir grand chose. Non, il y a même rien du tout. Sûrement un bruit qui était une erreur. Allez, au boulot. On a des améliorations à faire là. Comme ça fera remonter votre vie en plus tranquillement. Ah oui, c'était rapide. Chobiti. Tu vas aller lire le parchemin. The Gord's expansion accelerated. Hop, s'il te plaît. Si, il dit bien qu'il y a une bestiole, hein. elle doit être dans le coin là. Faut qu'on y aille. Donc là, on a gagné ça, et donc du coup, Chobiti, tu vas ramasser du fer. Très bien. Ouh, la nourriture, ça devient critique, faut qu'on mette quelqu'un là. Malice, tu vas champignonner. Et Ardarine, tu vas champignonner également. Non, tu vas pas champignonner, Ardarine, tu vas aller faire du fer. Puisque c'est plutôt ça la priorité. Alors on va faire un petit point. Tu viens ici, je sais pas pourquoi c'est rouge. Ardarine, qu'est-ce que tu fous? Tu m'embêtes, Ardarine. De Ardarine. Ardarine, c'est pas le moment de nous emmerder, on a plus de nourriture là. Je vais donner vos instructions à Akelsukwet. Bah, Akelsukwet, t'as ramassé l'objet, c'est ça? C'était un grand sac à dos pour toutes les professions sauf les combattants. Augmente la capacité de stockage de 10%. Et ben écoute, c'est parfait Akatsukwet, tu vas nous faire quelque chose avec ça. C'est chiant que la minimap disparaisse. Je veux la minimap, merci. Donc Akatsukwet, tu vas là. Malice, tu vas bouffer. Ardarine, je sais pas ce que t'es parti faire. Se déplace en tant que bûcheron. Ok, donc tu te déplaces en tant que bûcheron, parfait, et je veux que tu deviennes... Alors je sais pourquoi tu... Bah écoute, viens là, et puis on verra quand tu seras là. C'était Chobiti qui faisait de la nourriture, sinon, mais normalement Malice devrait être capable de se débrouiller. Elle a deux symboles de pêcheur, mais il faudra qu'on essaye de les vendre à l'occasion. Ça donne un bonus d'expérience, alors que son sac donne une capacité de stockage supplémentaire, donc c'est mieux de garder ça. Alors ensuite, on va aller faire le tour de différentes trucs de bouffe qu'on n'a pas pu ramasser avec nos persos, notamment ce Moïsis qui court vite. Et en passant, il est censé y avoir des animaux ici, mais on les voit pas. Pourquoi? Bordel. Je peux pas le ramasser sûrement parce que je suis plein, un truc du style. Alors les gens vont pas mourir de faim tout de suite, hein. Ça va mettre un malus au moral. Mais ils vont pas mourir. Vous allez venir là. Ça y a moins que ce soit de la bouffe. On était plein en bouffe, donc pouvait pas la ramasser. Donc ça veut dire qu'il y a forcément de la bouffe qui traîne quelque part. Après, est-ce qu'elle apparaît plus sur la map? C'est malheureusement une possibilité. Mais pourquoi on peut pas le prendre, sérieusement? Pourtant ça c'est pas... Donc ça doit être un bug, je pense, avec le patch. Les objets déjà tombés, c'est pas recalculé. Et on l'a dans l'os. Probablement comme ce truc là. Et c'est comme Ardarine là, maintenant il veut bien devenir mineur de fer, on est d'accord. Voilà, merci Ardarine. Tu es bien urbain, comme dirait l'autre.
On n'a plus personne. Si on a Hélice qui ramasse de la glaise, ça c'est bien. Ok. Bah, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va arrêter l'épisode là, puisqu'il est suffisamment long. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!